Mi-février 2012, mon projet Grande Volière a démarré. Il est prévu pour quelques poules, quelques canards d'ornement, peut-être d'autres oiseaux, mais nous verrons par la suite. Sur le terrain, c'est tout autre, puisqu'il va me falloir arracher une vieille haie de Piracanta, ce qui ne fut pas une mince affaire. Je dois aussi préparer mes 15 poteaux et les barres métalliques qui vont servir d'ossature à la volière. Comme on peut voir, j'ai bien avancé.
avant les petites poules. Ils ont fait un œuf. Ah oui. On voit ce qu'il a fait, non? Deux. Comment c'est qu'on va les apposer? Alors, il y a... Sophie. Sophie. C'est la noire, Sophie. On a dit que c'était la noire. Cathy. Madame. Non, c'est la grise, la marin. Non, c'est la noire. Non, c'est la grise. Bien, nous allons procéder à la pose du grand filet à papillon. Voilà, le premier bassin est en place. Eh bien, ma prochaine étape, c'est de semer le terrain, voilà. Pour cela, j'ai divisé le terrain en plusieurs bandes, 6 bandes exactement. J'ai pris la quantité de trèfle qu'il me faut. Et comme la graine est très très fine, je l'ai mélangée avec du sable fin que j'ai tamisé.